Et donnons-nous la main, Laurent, pour partir ensemble aux grottes de Valorbe. Oui, puisque vous le voulez, les grottes de Valorbe, vous connaissez sans doute grâce à une visite en famille ou lors d'une course d'école. Vous saurez qu'une cavité immense, haute de 30 mètres, sera bientôt accessible au public. Un chemin en bois de mélèze se construit présentement dans cette nouvelle extension. Un espace magnifique. Quelques images en primeur grâce à Michel Ditria et Fred Girard. Il y a une rivière souterraine qu'on voit nulle part ailleurs, il y a une grande salle, il y a des concrétions magnifiques. C'est une grotte absolument exceptionnelle. Ouais. La cathédrale des grottes de Valorbe, un immense espace bientôt accessible au public. Des menuisiers spéléologues sont en train d'ouvrir un chemin aux visiteurs. On est tout à fait content d'être là, même si des fois c'est un peu fatigant, parce qu'on a dû monter les pièces à dos d'homme jusqu'ici. Le but, c'était de faire passer des gens dans une grotte, d'amener des gens dans une grotte. Étant spéléologue depuis 35 ans, c'était très très intéressant pour moi de faire un projet pareil. Et l'idée du bois est venue comme ça, un peu par hasard. Et après une étude, c'était tout à fait faisable. Et voilà. Au milieu de ce lieu magique, c'est un chemin en bois de mélèze qui se construit là. Et une fois que tout sera en place, le public aura droit à un spectacle en couleur. Coût de l'ouvrage, 650 000 francs. L'objectif de cette nouvelle salle, c'est de créer un spectacle son et lumière avec plus de 60 projecteurs qui vont, au rythme de la musique, présenter des éléments très précis de la cathédrale de manière séquentielle. Plus de 50 000 visiteurs par année sont attendus dès le 19 mai pour admirer ce nouvel espace.